Barach, Rabbi Israël, Israël Saba, Kouf Aïn Aleph, 171, la page 171, mais un père Hakol. Il transforme tout. Bezrat Hashem Yitbarach, c'est le titre du chapitre, c'est il transforme tout. Rabbeinu Hakadosh transforme tout. Rabbi Israël et ses élèves, ils chantaient comme ça avec joie la parole de Rabbeinu. Que Rabbeinu, il dit, il y a quelque chose qui transforme tout pour le bien. Et les élèves de Rabbi Israël et Rabbi Israël, ils chantaient ensemble. Il y a quelque chose qui fait tout renverse, qui renverse tout pour le bien. Rabbi Israël, il commençait à parler. Oh, et Rabbeinu Hakadosh, oh Rabbeinu Hakadosh, il nous a dévoilé une sagesse comme ça, une lumière, une sagesse nouvelle qui monte, qui est au-dessus de toutes les sagesses. Il brise et qui annule toutes les passions. Mais un père Hakol, il transforme tout. Maintenant, il y a dans le monde une sagesse que Rabbeinu Hakadosh a dévoilée, qui a amené Rabbeinu dans le monde. Rabbeinu, il a amené cette sagesse dans le monde, qui va avoir un monde nouveau, un monde de foi, un monde de vérité. Tout le monde, ils vont jeter leur passion, et ils vont plus pouvoir sentir l'odeur des bêtises de ce monde-là. Okay? Des choses... Des passions. Ils ne vont plus pouvoir sentir l'odeur des passions. Il est venu dans le monde maintenant la lumière de Rabbeinu Hakadosh. Que lui, il frappe le mal jusqu'à la terre. Il frappe, okay, il fait tomber l'orgueil jusqu'à la terre. Toutes les avérotes de l'orgueil. Okay, il élève toute l'humilité de l'homme jusqu'au ciel. Mais un père Tekef, il transforme tout. Tout de suite, mais un père et les pères, d'un côté à l'autre, d'un ken, ou mais un père, il transforme tout, il renverse tout. Ah ah, yesh lanu abba rahmani, shinoten lanu akol. On a un père miséricordieux qui nous a donné tout, qui nous donne tout. Ak nous, anar nous mekalkelim, nous on abîme, à l'aide de la terre à cause de nos passions. Abal yesh lanu bamedis moach. Malgré ça, que nous on abîme avec nos passions, on a de quoi se réjouir. On a déjà Rabbeinu dans le monde. Rabbeinu Hakadosh Yarad Bishvil Haolam. Rabbeinu il est venu dans ce monde pour le monde. Ken ou Amar. Rabbeinu il a dit Bishvili ani lo tzarich laredet laze olam. Pour moi, j'ai pas besoin de descendre dans ce monde. Rak Bishvilchem, pour vous. Bishvil etaken etchem, pour pouvoir vous réparer, pour les lamed etchem, pour vous apprendre. Les galot lachem dvarim tovim, pour vous dévoiler des choses, des bonnes choses. Shem tov baolam azeh ou baolam abba, qui sont bien dans ce monde-là et dans le monde futur. Rabbeinu, il n'est pas descendu pour lui. Il n'avait rien à faire dans ce monde. Hashem, il l'a envoyé dans ce monde. Il est venu dans ce monde pour nous réparer à nous, pour nous apprendre, pour nous dévoiler des choses, des belles choses. Comme ça, Rabbeinu Hakadosh, il dit, Rabbeinu Hakadosh, ou kol ikar tikunem. Rabbeinu, c'est l'essentiel de notre réparation. Nous, on a besoin d'une réparation. Lui, il nettoie le monde entier. Chacun, il nettoie chacun de toutes les passions. Et lui, il nous répare avec des réparations comme ça. Des réparations comme ça. Avec une sagesse pareille. Comme si on n'a jamais fait aucune faute. On va être propre. Il éclaire à chacun une lumière merveilleuse comme ça. Teshuvah. La Teshuvah. Il éclaire la Teshuvah. En ba'olam diburim ka'ele kemo shel Rabbeinu. Il n'y a pas dans le monde des paroles comme ça, comme celle de Rabbeinu. Kol dibur shelo u geula lanu l'zarenu tamid. Chaque parole à lui, c'est la délivrance pour nous et pour nos enfants à jamais, pour nos générations. Cette sagesse-là, elle n'était pas encore descendue dans le monde. C'est au-dessus du monde. C'est l'essentiel de toute notre joie, de toute notre vitalité. C'est une force comme ça qu'il n'y avait pas dans le monde encore. Quelque chose de nouveau. Il nous rend nouveau, il nous renouvelle. Des réparations comme ça, il n'y avait pas dans le monde encore. Maintenant, c'est le temps de la Géoula.
צריך לבוא לעולם אור כזה שכולם ישליחו כל התאוות וידרשו איך לנקות עצמנו מן העוונות, מן התאוות. Maintenant, il est venu le temps de la Géoula. Il faut qu'il, maintenant, il va venir dans le monde une lumière comme ça, que tout le monde va jeter leur passion. Ils vont demander, ils vont rechercher comment se nettoyer de leur passion et de leur faute. C'est Yavo, ça va venir. Rabbeinu Akadosh Wimshir Vigila Or Kazé. Rabbeinu, il a amené, il a dévoilé une lumière comme ça, une sagesse comme ça, une vérité comme ça dans le monde. Qui va amener le monde entier à Dieu, à la Torah et à la vérité. Le cœur et le cerveau, c'est des choses intérieures. Okay? La sagesse, c'est une sagesse nouvelle qui éclaire à l'homme une force et une sagesse comme ça, que chacun, il va jeter toutes ses passions, ils ne vont plus pouvoir supporter la mauvaise odeur des passions. L'homme, il va se sauver de ça, des passions comme ceux du feu. Rabbeinu HaKadosh mevatel la gaava. Rabbeinu HaKadosh, il annule toute l'orgueil et les honneurs et la verot dans les endroits de la Touma. Umeaper et akol, il renverse tout. Nase mehem ayin ve'efes. Il devient de eux quelque chose de nul et de zéro. Ça devient zéro, ça devient nul, ça c'est complètement annulé. Mikol ha'tavot, toutes les passions. Umeapech et ha'adam bechol ha'olam kulo legamre me'efech el efech. Il renverse tout, l'homme et le monde entier, d'un côté à l'autre. Rabbeinu HaKadosh, il nous nettoie de toutes les sortes d'orgueil, toutes sortes de ta'avot. Il répare le monde entier. Ou mais à Père colle à ta avote, il renverse toutes les passions, toutes les forces du Yetzirah et de la Touma, il leur trouve un tombeau et eux ils rentrent dans le tombeau et ils peuvent plus rien faire. La Touma et l'obscurité, ils vont s'annuler, ils vont être brisés, et ils vont avoir un tombeau, ils vont être enterrés. Ou il y a Père, lui il va renverser, ou mais à Père à colle, il va tout renverser. Et un Rebbe kazé, Rebbe kazé, un Rebbe comme ça, un Rebbe comme ça. Rabbeinu HaKadosh Omer, Im Adam Chas V'Shalom Nafal Le Makom She Nafal. Si la personne Chas V'Shalom allait tomber dans l'endroit où elle est tombée, As Berega Echad Hu Yotze Me'Epech Le Pech, en une seconde, il se transforme d'un côté à l'autre. Rak Shelo Yaseh Od, rien qu'il ne fait pas encore, il arrête de faire. Shishmor Me'Achshav Azman Shel HaTfilin, qui garde dès maintenant le temps des Tfilin. Velo Lido, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Hashem Yitbarach Yirachem Alav, Dieu il va avoir pitié de lui. כי כשאומרים חטאנו, אשמנו, בגדנו, מתוודים לשם ברך כמו שרוצה רבנו. Quand on dit, on a fauté, on est fautif, et on t'a abandonné, et on se repentit devant Dieu, okay? et comme רבנו il veut, ריבונו של עולם, maître du monde, חטאתי, j'ai fauté, אשמתי, je suis fautif, בגדתי, je t'ai abandonné. Alors il devient une force qui renverse les FR, ça renverse tout dans la Gdusha. Tout se renverse dans la Gdusha. Nafalta, t'es tombé. Il n'y a pas de désespoir, il n'existe pas. Il y a déjà un tzadik qui a dévoilé que le désespoir, il n'existe pas. Azielef, faire tout ce que tu vas, tout va se renverser. Tashlich atzmecha al tzadik azeh shu gila en shum yosh ba'olam klal. Jette-toi sur ce tzadik qui a dévoilé que le désespoir il n'existe pas. Azgvar tetzeh min hatuma. Déjà tu vas sortir de l'impureté. Chalila avecha asnafalta. Im chas v'shalom, tu es tombé. Tatchil me'arshav. Commence dès maintenant. Me'arega azo. Dès cette seconde-là, Mechadash, de nouveau commence. Mayesh, Tinouf, qu'est-ce qu'il y a? Une saleté, tu t'es sali. Rabbeinu HaKadosh, Yeshlo Chomer. Rabbeinu, il a un produit. Rabbeinu HaKadosh, il a un produit qui annule les saletés et l'odeur, les mauvaises odeurs des Ta'avot. ונעשה עניין אחר.
et ça devient quelque chose de nouveau. Ou mais aper, lui il renverse. Attaque le kalta, veut ou metaken. Toi t'as brisé, t'as cassé et lui il répare. Tzochek, Rabbi Israël il rigolait. Il commençait à rigoler. Ani margish, mash eye. Je ressens qu'est-ce qui va être. Il y est hors kazé baolam, il va y avoir une lumière comme ça dans le monde. Comment shaya et gabrut a chosher vatavot vatouma. Ad rabba, il y est koach yoter. Comme il y avait jusqu'à maintenant la force du Yetzerara, l'obscurité des Ken et les passions de ce monde et la Touma qui était très fort, maintenant le contraire, tout va se renverser. Adraba, Yekwar Yoter, maintenant ça va tout se renverser, il va avoir une force plus, où il va tel Vishaber Kolara, ça va annuler, ça va briser tout le mal. Kola Touma, toute l'impureté. Rakara, ou Ishtaresh Kvar Baolam, mais caché Meod de Shabro, caché Meod. Rien que maintenant, le problème, c'est que le mal, il s'est enraciné dans ce monde. Et c'est très dur de le briser. C'est très dur. Aval, yé, inyan, nacher, inyan, chadash. Mais malgré ça, il va avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Abenu Akadosh, gila, chokma, kaze. Abenu, il a dévoilé une chokma comme ça, une sagesse comme ça. L'écouter Moharan, l'écouter Alachot, l'écouter Etzot kaze. Un écouté Moran, un écouté Alachot, et un écouté Etzot comme ça. Shoumé Aper, Hakol et Tova, que ça va tout renverser pour le bien. Gama Iladim, Itaprou Kulam, la Gdusha, Virtsu Rakemet. Même les enfants, ils vont vouloir que la Gdusha, ils vont vouloir que la vérité. Emet Vemuna. Rien que la vérité et la foi. Anachnu Tsrichim la Daat, ou la Amin, Shanachnu, Kmo Shanachnu. Nous, on doit savoir et croire que même si on est comme on est, Hashem Itbarach, ou Van Atalano, et Rabbenu Akadosh. Arshav Bizman Ageoula. Déjà Rabbenu, Hashem il nous a donné, même si on est comme on est, Hashem nous a donné déjà Rabbenu. Maintenant, dans le temps de la Geoula, Yesh Var et Tzot me Rabbenu Akadosh. On a déjà les conseils de Rabbenu Akadosh. Min Hashem Itbarach, de Dieu, des conseils de Dieu. Rabbenu Akadosh, ou Kibel me Hashem Itbarach. Rabbenu Akadosh, il a reçu de Dieu ses conseils. Yavoz Man Shaolam Yanusu Minabots, Minataavot. Il va avoir un temps, il va venir un moment. Que les gens, ils vont se sauver de la boue, des passions. Il y a Kirouv, Yidou, Shaola, Mazé, Oevel. Ils vont savoir, ils vont reconnaître, ils vont comprendre que ce monde-là, c'est du vent. Ou Efes, c'est zéro, Ve'ain, c'est nul. Ain, c'est nul. Okay? Ça vaut rien. Ain. Kol Achaim, Yé, tout le monde, toute la vie, qu'est-ce que ça va être, la vie des gens? Rien que de servir Dieu. Yé Ola Mafour, ça va devenir un monde en contraire. Yé Olam Shel Olam Abba, un monde du monde futur. Olam Shel Emuna, un monde de foi, un monde de vérité. Zebala Olam, ça vient, c'est venu dans le monde déjà. Avalzet Sarir Zman, Hashit Bashel, mais juste il faut du temps, jusqu'à que ça va se cuire. Tiens, comme on prend de la viande. Et on commence à cuire. Au début, on voit rien, on voit qu'un morceau de viande comme ça, on sent rien, il n'y a pas d'odeur et tout. Et on commence à cuire ça. Et c'est pas que c'est pas venu déjà dans la marmite le morceau de viande. Il est venu, mais il faut du temps pour que ça se cuit. On met les épices et tout ça. Je vois que ça commence à cuire et on commence à sentir l'odeur. Et jusqu'à qu'on peut goûter, mâche le goût, ça prend du temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas déjà dans le monde, dans la marmite. Même chose, Rabbeinu est déjà venu dans le monde. Rabbeinu il fait son travail. Et Bezat Hashem Itbarach, il dit Rabbi Israël, il faut juste attendre que ça va se cuire. Ze yavo leat leat. Ça va venir doucement, doucement. L'obé pa amechat. Pas en une fois. C'est d'avoir caché Meot, c'est quelque chose de très dur. Aval Rabbeinu Akadosh me apech hakol etova. Mais Rabbeinu Akadosh, il renverse tout pour le bien. Mais apech hakol, il renverse tout. Ye olam chadash, il va devenir un monde nouveau. Olam shel emet, un monde de vérité. Shel emuna, un monde de emuna. אם האדם רוצה באמת, אז השם יתברך מזמין לו אישה וילדים טובים ונעשה הכל להפך, כן. Si la personne veut vraiment, Hashem lui donne une femme et des enfants, des bons enfants, כן. ונעשה הכל להפך, כן. Tout devient contraire. לכל בני אדם שצריכים עזרה, אז רבנו הקדוש עוזר לנו. Chaque personne qui a besoin d'aide, רבנו, il nous aide. בידו כל החוכמות האמיתיות, איך לעשות תשובה ואיך לעבוד השם באמת. Dans sa main, רבנו, toutes les sagesses, vrai, comment faire teshuva et comment servir Dieu vraiment. L'achnis banu belibenu kol haishuot kol haetzot, il faut rentrer dans notre cœur tous les conseils de Rabbeinu, toutes les aides de Rabbeinu, que Rabbeinu nous aide en nous donnant ces conseils là,
Ces conseils de Rabbeinu, c'est des aides, des yeshuot, des délivrances, des aides. Rabbeinu HaKadosh, ou Baal Ezraten, Rabbeinu HaKadosh, il est venu à notre aide. Ou Noten HaKol, lui il donne tout. Aval Behemet, il faut juste être vrai. Imen Emet En Klum, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Emet, c'est quoi la vérité? Pas pour l'argent, pas pour les passions, pas pour les honneurs, pas pour la célébrité. Ça, c'est du mensonge. Moi, j'ai vu le monde entier, toutes les sortes. J'ai su rien qu'une goutte de la mer. Qu'est-ce que c'est? Que l'obscurité va s'annuler complètement, la touma va s'annuler, et j'ai vu la force de Rabbeinu HaKadosh. Je oume à Père Hakol, que Rabbeinu HaKadosh transforme tout. Benassé et Nian Acher, et tout devient quelque chose de nouveau. Et le monde il va devenir un monde nouveau. Baruch Hashem tzrichim niskor et amatanot v'chassadim she'asa Hashem itbarach itanu im kol haolam. Il faut se rappeler des cadeaux qu'Hashem nous a fait avec le monde entier, chassadim et niflaot ka'ele, des bontés et des merveilles comme ça, qu'ils ne se sont pas dévoilés dans le monde. Ze ya'ale v'yagia lanu l'chol Israël, ça va venir pour tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce que de nous, on a le mérite de connaître Rabbeinu, une merveille de la délivrance, de la dernière délivrance. Que chacun d'Israël, il va mériter, chacun d'Israël, il va mériter de tout réparer, toutes les fautes, par la force de Rabbeinu. Rabbeinu, il va lui éclairer le chemin de la vérité, comment devenir un juif. Dans la délivrance, il va être dévoilé à chacun, chaque juif. Il va dévoiler une lumière comme ça, que toutes les avérotes vont devenir des mitzvot. Toutes les avérotes qu'il a fait, la personne, ça va devenir des mitzvot. Il va avoir quelque chose comme ça qui va tout le renverser pour le bien. C'est quoi la fin du peuple d'Israël? Que chacun, ils vont devenir gdoshim, ils vont devenir saints, ils vont être remplis de foi. Ça, c'est la fin du peuple d'Israël. Ça, c'est comme ça que Hashem Yitbarach gagne à la fin. C'est ça la fin de... comme un film. C'est quoi la fin du film? Il te dit, Rabbi Israël, dès maintenant, c'est quoi la fin du film? Que chacun du peuple d'Israël, ils vont devenir Gidoshim, même si Rabbeinu HaKadosh, il est venu dans ce monde, il va nous rendre chacun des Gidoshim, des saints, remplis de foi. Il va avoir une vérité comme ça, qu'il n'y a pas eu dans le monde. Quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde. Ma'ashen ha'olam yodim klal, que le monde ne connaît pas du tout. Mazé Emet, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est la Torah? Il va avoir dans le monde rien que la lumière de la sagesse et de la Emouna, de la foi pour de vrai. Olam shel chokhmat Rabbeinu, un monde de la sagesse de Rabbeinu, shitgale ba'olam, qui va se dévoiler dans le monde. Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre, mais apech hakol, que tout se renverse, Bezrat Hashem Yitbarach. Kol tov.